مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous avons évoqué dans nos derniers rappels les trois sortes d'apostasie, c'est-à-dire l'apostasie par la croyance, les actes et les paroles. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'il est un devoir de faire pour une personne qui a fait l'une de ces choses. Je vous rappelle que l'apostasie est ce qui fait sortir la personne de l'islam. Celui qui est tombé dans une apostasie, il doit revenir immédiatement à l'islam en prononçant les deux témoignages. Soit il les dit en arabe, « Ashhadu an la ilaha illallah » Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ou bien en français, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Ou encore, s'il n'arrive pas à prononcer correctement le nom du prophète, il peut dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Abul Ghassim est le messager de Dieu. Abul Ghassim est l'un des surnoms du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallim. La personne doit aussi délaisser la cause de son apostasie, regretter ce qu'elle a commis et d'avoir la ferme volonté de ne pas récidiver. Je demande à Allah qu'il nous accorde de mourir musulmans et qu'il nous préserve de la mécréance. Retrouvez-nous chaque vendredi avec de nouveaux rappels, incha'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. أحبتي فوصالهم ثمن تباع به النفوس وتشترى فيا رب بالمصطفى وآله الشرفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا